qu'à Sciences Po, si on est juif, on ne peut plus entrer dans l'école normalement. Il s'est passé des drôles de choses dernièrement dans cette école. Le président de la République a cru bon de réagir immédiatement, et je vous lis sa phrase. Il rappelle avec clarté et fermeté sa position. Oui, les établissements universitaires sont autonomes, mais cette autonomie ne justifie en aucun cas le moindre début de séparatisme. Alors, je me suis interrogé, et j'ai beau chercher, je ne trouve pas. Où est le séparatisme dans cette affaire d'antisémitisme ? Je ne trouve pas. En fait, l'antisémitisme, selon la définition même du petit Robert, est la suivante : hostilité contre les juifs, racisme dirigé contre les juifs. Alors je dis à monsieur le président, tout simplement, il faut arrêter dans ce pays de dévoyer les mots et d'appeler un chat un chat. Il faut dire les choses et non pas les travestir comme vous faites systématiquement pour tout. C'est très pénible et surtout ça légitime beaucoup de choses qui ne devraient pas l'être, y compris l'antisémitisme bien sûr. Alors évidemment, on se retrouve en France avec un antisémitisme qui est aussi fort que dans les années 40, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et ce qui est sûr, c'est que quand les racistes se situent politiquement à gauche, comme c'est le cas aujourd'hui, on veut le cacher, hein, parce que ce sont eux les progressistes, ce sont eux qui détiennent la réalité, la vérité, tout le bordel. Donc, ces gens-là, eh ben, ce sont de vulgaires racistes qui, franchement, ont un niveau intellectuel très très bas. Et d'ailleurs, dans un article paru il y a quelques jours dans un grand journal qui s'appelle le quotidien Le Figaro, Renaud Girard, un spécialiste soi-disant, écrit « Israël doit choisir un État pour les Palestiniens ou la guerre perpétuelle ». Alors je lui dis « Monsieur, c'est le comble de l'hypocrisie, car les personnes informées savent très bien que deux États ne résoudront jamais, mais jamais, la haine anti-Israël. Mieux, ce serait condamner les États juifs à disparaître à brève échéance ». C'est évident, je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique. Tous les gens qui ont été au Moyen-Orient le savent. Alors, si vous êtes un spécialiste, pourquoi vous ne le savez pas? Voilà la question. Et c'est fou le nombre d'antisémites de gauche qui se baladent déguisés en antisionistes sur les réseaux sociaux et qui racontent des mensonges énormes pour justifier leur sombre idéologie raciste, parce que ce ne sont que des racistes finalement. Et l'histoire en vrai ne fait que se répéter. Et ça, c'est intolérable. Donc ce que je veux vous dire ici, monsieur le Président, c'est que face à un problème donné, il faut réagir par rapport à ce problème donné, et non pas aller nous chercher des phrases à la... Allez, je vais être gentil, à la mort-moine-neuve, pour évacuer le dit problème. Mais vous le faites tout le temps. On a vu, je vous donne un exemple concret encore, avec, soi-disant que vous faites une loi sur l'immigration, les migrants, une loi qui ne sert à rien déjà, et en même temps, qu'est-ce que vous faites? Vous légitimez des migrants en les installant dans un château historique français dans le 78, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, et ce n'est pas être raciste que de vous le dire. Donc, on est dans un pays aujourd'hui où il faut remettre les pendules à l'heure. Et actuellement, je vais vous le dire, vous avez une chance inouïe, monsieur le Président, c'est qu'en face de vous, il n'y a personne. Parce que quand on voit, je ne citerai pas de nom parce que sinon tout le monde va me tomber dessus, mais quand on voit l'opposition actuelle, c'est dramatique. Hein. Ce n'est pas une opposition que vous avez, c'est une bande de mous. Voilà, on en est là. Bon, je vais arrêter parce que sinon je m'énerve, ce n'est pas bon pour ma santé. Et quand je vous le dis, je vais le répéter, parce que c'est vrai, on est mal, on est même de plus en plus mal, et je ne vois pas à aujourd'hui ou à demain qu'est-ce qui va nous faire qu'on ira mieux. Merci à tous en tout cas, et à bientôt.